présentation sur la stratégie de la Banque africaine de développement en matière de transformation de l'agriculture africaine. Et cette présentation se situe dans le sillage des assemblées annuelles de la BAT qui vient de se terminer en Inde et qui se portait sur le thème de la transformation de l'agriculture. La Banque africaine de développement a fait ce constat, c'est que l'Afrique est encore le continent où l'agriculture est très peu développée, où la famine est très développée, et alors que le potentiel est là. Donc, la façon dont l'agriculture est pratiquée ne permet pas à la plupart des ménages de se nourrir, n'en parlons pas de permettre au pays de se développer. Donc, la stratégie de la Banque africaine de développement vise à lutter contre la famine, la malnutrition, à réduire les importations massives de produits alimentaires qui en 2015 équivalaient à près de 35 milliards de dollars américains, à développer les chaînes de valeur agricoles et tout cela en intéressant davantage les jeunes au métier de l'agriculture. L'agriculture est un business rentable dans certains pays et les pays qui l'ont compris, qui ont mis en place des politiques adaptées, ont pu nourrir efficacement les populations et développer leur économie. C'est sur ces éléments que notre présentation apporte. Vous vous appelez ? Je m'appelle Jean-Marie Vianney Dabiré, je suis l'économiste pays principal de la Banque africaine de développement à RDC. Merci pour la question. Je pense qu'il y a, vous l'avez vous-même dit, c'est la 4e édition et je pense que à chaque édition, les organisateurs se font un devoir de pouvoir améliorer par rapport à l'approche et par rapport à la communication avec la population. Et je pense que c'est une belle vitrine d'abord pour l'économie de notre pays, et c'est principalement sur le numérique. Et comme nous sommes à l'heure du numérique, tout facile et qui sont plus utilisés sur le numérique puissent connaître ce qui se passe. Et il est intéressant, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont placés ici, et vous allez remarquer que je suis à côté du stand de l'Agence nationale de promotion pour l'investissement, et c'est notre partenaire de tous les jours, et nous sommes là pour pouvoir les accompagner, voir ce qui se fait, pouvoir justement montrer que nous sommes également partis à cette initiative qui porte les entreprises. Nous savons que le numérique a un coût. Je demande quand même. Il y a un coût, mais j'ai visité le stand. Il y a un stand là de Elan qui parle également d'une certaine façon de faciliter la gestion de l'énergie. Et vous connaissez les difficultés que nous avons par rapport à l'énergie électrique. Et il y a des stands ou des entreprises qui sont en train de se battre pour pouvoir aider la population dans toutes les périphéries, d'avoir la possibilité de pouvoir charger leur téléphone ou encore d'avoir accès aux ordinateurs sans nécessairement utiliser l'énergie électrique. Et l'accès, comme vous dites, le numérique est cher, mais les bonnes choses ont un prix. Mmh. Et tout le gouvernement et même les entrepreneurs se font un devoir de pouvoir toujours se battre pour pouvoir améliorer les conditions d'accès de la population à cet outil incontournable dans ce siècle qui est le numérique. Donc il faut qu'on mette toute sa contribution pour pouvoir faciliter l'accès aux jeunes et aux entrepreneurs au numérique.